On va voir dans quelques instants les leçons qu'on peut tirer aujourd'hui encore de ce procès. On va aussi évoquer la question de la transmission, ce qui est d'ailleurs le cas à la maison d'Izieux. N'est-il pas, Dolores ? Tout à fait, Alain. La vocation de la maison du mémorial d'Izieux, c'est aussi la transmission. En effet, parler aux jeunes générations de ce qui s'est passé ici pour que cela ne se reproduise pas. Et je suis à nouveau avec Dominique Bideau, le directeur des lieux, dans l'espace plutôt pédagogique ici. C'est un espace qui est à côté de la maison. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Oui, alors là, nous sommes dans la grange, effectivement, un bâtiment qui appartenait à la maison et dans lequel on a recréé un musée très tôt, une exposition qui a été renouvelée et extrêmement enrichie depuis 2015, donc depuis deux ans. Et dans cette exposition, on trouve trois parties principales. La première est historique, bien sûr. Elle raconte l'histoire de la maison, l'histoire de la rafle. La deuxième est juridique, elle s'intéresse à la justice et à l'importance de la justice et des procès dans la construction mémorielle. D'accord, justice, histoire et justice, ça crée la mémoire. Exactement, ça crée la mémoire. Et donc la troisième partie dans laquelle nous nous trouvons ici, c'est la partie qui est dédiée à la construction de la mémoire d'Izieux. Alors, la construction de la mémoire d'Izieux, ça passe aussi par le procès Klaus Barbie, hein, c'est ce qu'on disait, et la traque du boucher de Lyon, qui a été possible grâce aux époux Klarsfeld, mais aussi grâce à deux personnes, deux mamans, qui avaient perdu leur enfant. Effectivement, sans procès Barbie, pas de maison d'Izieux. La maison est effectivement étroitement associée, comme on le voit sur ces panneaux. Hein. Oui. L'association, en fait, l'origine de l'association, elle réside même avant le procès dans la traque de Barbie. Et dans le rôle qu'ont joué effectivement les deux mamans, effectivement Fortuné Benguigui, qui a perdu trois enfants dans la rafle d'Izieux, et Ita Rose Allenbrenner, qui a perdu deux filles, Mina et Claudine. Et donc toutes les deux ont joué aux côtés des Klarsfeld un rôle essentiel, militant, qui a permis effectivement de créer le noyau à partir duquel s'est constituée l'association en 1988, au lendemain du procès. Alors, très vite, on s'est rendu compte que la seule maison, ça ne suffisait pas. Donc, il fallait expliquer, il fallait raconter aux jeunes générations. Qui vient aujourd'hui ici? Vous avez beaucoup de scolaires, je crois. Beaucoup de scolaires, effectivement. On a 12 000 scolaires chaque année qui viennent ici, ce qui, vu l'éloignement des grandes villes, est quand même un petit exploit. Et nous avons 30 000 personnes au total. Donc, en fait, 12 000 scolaires viennent avec leurs enseignants, leurs classes. Et puis, d'autres enfants, bien sûr, viennent avec leurs parents en famille. On s'adresse en priorité, bien sûr, aux enfants. C'est un lieu de vie pour les enfants. Ça reste aujourd'hui un lieu de transmission de la mémoire pour les enfants. C'était un lieu de vie, ça devient un lieu de transmission. Vous accueillez. Alors, tous les enfants peuvent venir ou à partir de quel âge à peu près on considère qu'à partir de 10 ans, les enfants peuvent venir ici et comprendre quelque chose à ce qui s'est passé ici. En deçà, c'est un peu juste. Alors, je rajouterais juste une dernière chose. On a maintenant, depuis deux ans, développé un gros projet parce qu'on s'est rendu compte que la transmission de la mémoire, ce n'est pas seulement une affaire d'enfants et d'éducation, mais on s'adresse de plus en plus maintenant aux adultes, aux groupes d'adultes, et on est en train de faire des véritables formations pour des fonctionnaires, détenteurs ou pas d'autorité d'ailleurs, mais qui viendront ici en groupe, passer une journée chez nous. Et comprendre ce qui s'est passé. Pour conclure, Dominique Bideau, je crois que le 14 mai, c'est une journée importante aussi pour la maison d'Izieux. Vous allez recevoir les époux Klarsfeld très très vite. Très vite. Le 14 mai, c'est une grosse journée pour nous. C'est un grand événement. Effectivement, on fait venir beaucoup de monde, des gens qui ont été des témoins importants du procès, des acteurs vraiment importants du procès. Les Klarsfeld, bien sûr, Maître Jakubowicz, Jacques Védrine, qui était l'expert psychiatre. Et d'autres, beaucoup d'autres, des historiens renommés comme Annette Wieworka par exemple, Thomas Gemmelich, un Allemand. On fait venir également des représentants polonais, italiens pour voir comment le procès Barbie a pu déclencher quelque chose aussi dans leur propre mémoire. Et donc ces tables rondes vont avoir lieu toute la journée du dimanche, hein, de 9h30 jusqu'à 18h30. Très bien, merci Dominique Bideau de nous avoir accueillis. Voilà Alain, pour en savoir encore plus, je vous encourage à aller sur le site internet de la Maison d'Izieux. Il est extrêmement bien documenté et on remercie les équipes de la Maison d'Izieux de fournir ce très gros travail de documentation et de recherche et d'archives. Merci beaucoup Dolores.